Alors qu'elle avait imploré il y a quelques jours de laisser Johnny Hallyday en paix, Lynne Ono s'est à nouveau exprimée sur la bataille testamentaire que se livrent Laetitia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday. Dans Quotidien sur TMC lundi 19 février, la marraine du rocker a demandé à ne pas se mêler de cette affaire. Non Stop People vous en dit plus. La bataille juridique et médiatique que se livrent Laetitia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday autour du testament de Johnny Hallyday catastrophe les proches de la famille. Dimanche 18 février, Lynne Renaud est sortie de sa réserve et s'est exprimée sur le sujet dans les colonnes du Parisien. Ces choses-là auraient dû se régler en famille. Cela va durer des années, cela va faire d'Allah écouter des millions en avocats de deux côtés. Je pense que cela ferait beaucoup de chagrin à Johnny de voir cela, déclarait la comédienne aperçue dans Bienvenue chez les Ch'tis. On ne connaît pas tout. Invité dans Quotidien, l'émission de Yann Barthès sur TMC, lundi 19 février, Lynne Renaud a de nouveau évoqué cette affaire. C'est une histoire de famille qui doit rester en famille. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants. On ne connaît pas tout. Je pense que l'on doit rester en dehors de ça, indique la comédienne. Je pense que cela ferait beaucoup de chagrin à Johnny de voir cela, répète-t-elle, appelant encore une fois à laisser en paix Johnny Hallyday. Lynne Renaud se refuse en tout cas à prendre parti pour tel ou tel clan.